Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers élèves de baccalauréat. Toujours dans la série de vidéos concernant les probabilités. Aujourd'hui, on va voir l'exercice numéro 10. Alors, les énoncés, soit x, la variable aléatoire définie par la loi de probabilité suivante. Vous avez le tableau xi, p de x égale xi. Pour xi égale moins 1, p de moins 1 est égal à 1 sur 3. Pour xi égale 0, P de 0 est égal à 1 sur 4. Pour xi égale 2, P de 2 est égal à A. Et enfin, pour xi égale 4, P de 4 est égal à 1 sur 6. Les questions, dans la première question, on va chercher la valeur de A. C'est-à-dire calculer la probabilité de l'événement x égale 2. Dans la deuxième question, on va calculer l'espérance E de x, la variance B de x et l'écart type sigma de x. Alors, je commence d'abord par la question 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a x est une variable aléatoire. Définie par la loi suivante, regardez bien le tableau. Alors, ce que je sais, c'est que P de x égale moins 1 plus P de x égale 0 plus P de x égale 2 plus P de x égale 4, la somme est égale à 1. Pourquoi ? Vous avez la loi de probabilité. Toujours la somme des probabilités est égale à 1. Donc, je vais remplacer pour calculer A. Donc, je remplace P de x égale moins 1 par 1 sur 3 plus P de x égale 0, c'est 1 sur 4 plus P de x égale 2, c'est A. Ce qu'on cherche, plus P de x égale 4, 1 sur 6, le tout est égal à 1. C'est une équation de premier degré à une inconnue. Donc A est égal à 1 moins 1 sur 3, moins 1 sur 4, moins 1 sur 6. Qui est égal donc, je réduis au modulateur 12, là c'est 12, moins on multiplie par 4, moins on multiplie par 3, moins, on multiplie par 2 ici. Ce qui est égal, 12 moins 4, c'est 8. 8 moins 3, c'est 5. 5 moins 2, c'est 3. Donc 3 sur 12. Donc, qui est égal 1 sur 4. Donc, P de x égale à 2 est égal à 1 sur 4. Voilà pour la première question. La question 2, on va commencer par l'espérance de x. Alors, E de x. Si j'applique la définition, E de x est égal, je multiplie les xi à p de xi. Donc, vous aurez moins 1 fois 1 sur 3 plus 0 fois 1 sur 4 plus 2 fois a, on a calculé a, c'est 1 sur 4 plus enfin 4 fois 1 sur 6. Qui est égal donc, moins 1 fois 1 sur 3, c'est moins 1 sur 3, plus 0 fois 1 sur 4, c'est 0, plus 2 fois 1 sur 4, c'est 1 sur 2, je réduis, je simplifie par 2, plus 4 fois 1 sur 6, c'est 4 sur 6, c'est 2 sur 3. Je réduis au même dénominateur, vous avez ici 3, 2, 3, c'est 6, je multiplie ici par 2, c'est moins 2,
plus 0, c'est 0. Je multiplie ici ça par 3, donc plus 3. Et je multiplie ici par 2, donc c'est 4. Ce qui est égal donc, moins 2 plus 3, c'est 1, plus 4, 5, c'est 5 sur 6. Donc l'espérance de x dans cet exercice est 5 sur 6. Ensuite, je vais calculer la variance. De x, v de x. Alors, v de x égale e de x au carré, l'espérance de x au carré, moins e de x, le tout au carré. E de x, on a déjà calculé 5 sur 6. Donc, il faut calculer e de x au carré, qui est égal donc moins 1 au carré. X au carré moins 1 au carré fois 1 sur 3 plus 0 au carré 0 au carré fois 1 sur 4 plus 2 au carré fois A c'est 1 sur 4 plus 4 au carré fois 1 sur 6 moins e de x au carré, on a trouvé 5 sur 6, le tout au carré. Qui est égal donc, moins 1 au carré c'est 1, fois 1 sur 3 c'est 1 sur 3, plus 0 au carré fois 1 sur 4 c'est 0, plus 2 au carré c'est 4, fois 1 sur 4 c'est 1, plus 4 au carré c'est 16, fois 1 sur 6, donc c'est 16 sur 6, c'est 8 sur 3, moins 5 sur 6 le tout au carré, c'est 25 sur 36. Qui est égal, je simplifie un petit peu, 1 sur 3 plus 8 sur 3, c'est 9 sur 3, c'est 3, plus 1 c'est 4. Donc j'aurai 4 moins 25 sur 36. Qui est égal, j'aurai loué au même dénominateur, alors là c'est 36, moins 25, et là, 4 fois 6, 24. 4 fois 3, 12. Plus 2, 14. 144 moins 25 sur 36. Qui est égal à 144 moins 25, c'est 119 sur 36. Alors, la variance, c'est 119 sur 36. Je calcule maintenant l'écart type. C'est facile. Pourquoi? Parce que l'écart type, c'est racine carrée de v de x. Donc, sigma x est égal à racine carrée v de x. Qui est égal à racine carrée de 119 sur 36. Qui est égal à la racine carrée de 119 sur 6. Voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Alors, l'objectif, c'est que l'élève sache calculer l'espérance, la variance et l'écart type. À la prochaine fois, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.